Si tu cherches des shardcards pas chers ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information. Alors tout à l'heure je vous avais sorti une petite vidéo vous récapitulant un peu toutes les informations qui étaient sorties lors de mes 2 semaines d'inactivité. Pour ceux qui voudraient un peu plus d'informations, je vous mettrai le lien dans la description. Cette fois-ci on va plus s'occuper des dates de sortie des véhicules qui vont prochainement arriver. Alors tout à l'heure je ne les avais pas, Yann vient tout juste de les poster sur Twitter et sur le forum GTA Forum. Alors je trouve ça très intéressant et très important de vous dire la date de sortie de ces véhicules, car dans ma dernière vidéo vous étiez très nombreux à me demander la date de sortie alors que je ne l'avais pas. Maintenant je l'ai, donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors je tiens à préciser que ces dates ne sont en aucun cas officialisées, mais je pense qu'on peut faire confiance à FanMW2 et à Yann. Ils nous ont quand même donné avec certitude la date de sortie de ce DLC Lowrider Partie 2 qui s'est avéré vrai, donc je pense qu'on peut vraiment leur faire confiance. Alors les voitures ne vont pas toutes sortir en même temps et c'est ça que je trouve vraiment bizarre, mais bon c'est pas très grave, je pense que Rockstar a vraiment une idée derrière la tête et qu'ils vont nous faire des semaines d'événements grâce à ces voitures. Donc la Tornado personnalisée sortira le 5 avril 2016, c'est à dire la semaine prochaine. Le minivan quant à lui sortira le 12 avril, c'est à dire la semaine d'après. Et pour finir, la Sabre Turbo sortira le 19 avril 2016, c'est à dire dans 3 semaines. Et d'après Yann et FanMW2, la grosse mise à jour aura lieu le mardi 3 mai prochain, avec sûrement l'arrivée de ce tout nouveau mode rivalité avec du football américain. Mais comme Yann le dit, cela n'est en aucun cas officiel. Alors je vous le dis clairement et tout de suite, il n'y aura pas 3 ou 4 mises à jour dans le mois. Je vous ai dit que les voitures sont déjà implantées dans le jeu. Rockstar aura juste à les libérer sur le site de Penis Original Motorwork pour qu'on puisse les acheter. Mais je pense que dès que la voiture va sortir, tout le monde va s'affoler, tout le monde en parlera déjà sur les réseaux sociaux. Et moi je vous avertirai bien évidemment de la sortie de ce véhicule, puisque je le customiserai comme à chaque fois en live avec vous, en voyant toutes les petites nouveautés qu'il y aura bien évidemment dans cette voiture. Et pour finir, Yann nous dit que Rockstar peut changer à tout moment la date de sortie de ces véhicules, c'est à dire que c'est en aucun cas officiel, même si j'arrête pas de le répéter depuis le début de cette vidéo, mais c'est très important. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.